Guasimón, levántate. Pas vrai, ça. Réveil, fait un boucan. Hola, Simone. Ouais. Je voulais pas te réveiller, mais maintenant que c'est fait, est-ce que tu peux m'accompagner à faire quelques courses? Tu peux pas me laisser me reposer? Je m'ennuie, Simone. Mais t'as pas 8 ans, prends un bouquin. C'est fait. Fais un gâteau. C'est fait. Le ménage? Ça aussi, c'est fait. Tu peux pas trouver un vrai job comme tout le monde, Hélène? Avec des collègues, un salaire, des horaires? Tu fais très bien, Simone. Jamais je trouverai un travail à mon âge. Ça, c'est pas sûr. En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. Mais il n'y a que ça, Hélène, des seniors qui se relancent sur le marché de l'emploi. D'ailleurs, c'est normal. Vous avez l'expérience de la vie. Vous êtes ouvert, compréhensif. Vous êtes en paix avec vous-même. Ah. Tiens, regarde, celui-là, au hasard. Faire suivre l'étude à des 6-8 ans après l'école. Ah non, certainement pas. J'ai assez avec mes petits-enfants. Voilà, la générosité des seniors, on en parlait. Engagez-vous dans l'armée de terre. T'arrêtes pas de nous gueuler dessus, à Georges et à moi, c'est bien. Arrête, Simon. Bon, on peut pas rigoler. Voilà, accompagnateur en maison de retraite, ça peut être pas mal. Ah bah non. On va pas savoir qui fait quoi derrière le... Attends. Retour à l'emploi des seniors. Faites passer chez vous l'un de nos conseillers. Ça vient d'où, ça? Notre temps? Voilà. Ouais. On va faire ça, on va se faire aider. Bon, d'accord, d'accord. Mais si ça te dérange pas, je préfère que tu sois pas là le jour de la visite. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien avoir une petite chance de réussite pour mon rendez-vous. Hein? Non, mais... Je me présente Cornelia, chargée de mission au retour à l'emploi des seniors. Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu avant. Ici, la démonstratrice self-défense, c'était moi. Bon, puis j'ai eu des petits problèmes parce que j'arrêtais pas de m'asperger avec mes bombes lacrymaux. J'ai perdu tous mes cils, alors du coup j'ai arrêté. Et ça? Oh, parce que c'est une broutille, je me suis fait renverser par un bus. Et vous n'avez pas entendu arriver? Bus électrique. Et comme j'étais la première femme à qui c'est arrivé, j'ai ma photo dans le journal. Ah oui? Ça, plus les chiens qui me sautent dessus en période de rute. Ça, c'est parce que j'ai un parfum de peau très rare et ils le sentent à des kilomètres. La vie m'a pas fait de cadeau, hein? Mais bon, même si c'est pas marqué dans les livres, le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour, comme dit notre ami Pascal Obispo. Bon, enfin, trêve de plaisanterie. Cornelia a très bien étudié votre dossier. J'ai un plan en or. Une société d'outillage qui cherche une femme pour sa hotline. Ambiance hyper détendue. Flexibilité des horaires. Le nirvana pour vous, Hélène. Hélène Fontenot, enchantée. Madame Gunther, je ne serre pas la main, je ne veux pas que vous me refiliez vos germes. Ici, votre poste de travail. C'est moi qui décide pour les pauses pipi. Je peux y aller, Madame Gunther? Allez-y, Geneviève. De toute façon, ce sera retenu sur votre paye. Alors ici, les gens appellent pour des problèmes de tondeuse. Vous devez traiter 300 appels par jour. Vous ne partez pas tant que ça n'est pas fait. Interdiction de boire, 3 minutes 30 pour déjeuner, aucune pause, et vous ne parlez pas à vos voisins. Je suis une ancienne gardienne de la prison pour femmes de Fresnes. Ah. Tu bouges une oreille, je te casse en deux. Gazonette, bonjour. Parlez moins vite parce que je ne comprends rien. Un gland s'est fourré dans votre tondeuse. Oh, quel malheur. Je vais regarder dans le monde emploi. Dévisser le bac en tirant sur le loquet C. Mais vous êtes espagnole. Pero qué casualidad. Yo también. ¿Y de dónde? Porque ese acento me dice algo. Ah, sí. Mi Castilla. Y tengo muchos amigos en... C'est la dernière fois. Oui, madame Gunther. Marie-Annick, Sabine, Mireille, à mon bureau. Les autres, pause déjeuner. Vous devez dire, gazon.
Marès pour votre gazon. Si vous voulez goûter, c'est moi qui ai préparé. Oui, madame Gunther. D'ailleurs, Marie-Annick, vous ne l'avez pas fait un peu long, votre pause. J'ai eu un petit souci, madame Gunther. 2,40 € en moins sur votre feuille de paye. Fin de la pause déjeuner. Il faut faire quelque chose, le fille. Et je crois que j'ai une idée. L'union fait la force. Les patrons, ils ont peur de la masse. Quand madame Gunther rentre, je me lève et je balance ma partie. Après, je ne viens plus en chaîne. Et après, c'est à vous. D'accord. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Au nom de toutes les filles du bureau, je voudrais dire quelque chose. Tu t'es cru où? Espèce de tatouillante de pigeon. C'est à toi de nous écouter maintenant. Tu nous fais pas peur, grosse vache. On est tous unis. Plus rien ne serait jamais comme avant. Allez, Geneviève, à toi. Écoute la colère de la masse qui gronde. T'es foutu, Gunther. Je répétais un petit test de théâtre pour ce soir. Un truc amateur, vous savez. Bon, je me remets au travail, moi. Gazonette, bonjour. Vous êtes dynamique, vous aimez le contact, vous êtes volontaire. Ce job est fait pour vous. Mais surtout, vous n'êtes pas comme Hélène. Je lui dégote un job en or, elle trouve le moyen de le quitter du jour au lendemain. Non mais, hein, quelle ingrate. Vous êtes sûr que c'est pour moi? Paul me demande si je suis sûre. C'est vous la mascotte de Lapinland. Lapinland, ouvert tout l'été, nocturne le jeudi. Quelle comédienne, j'en ai des frissons sous mon plâtre.